Salut tout le monde, ici c'est Niva. Bienvenue pour une autre vidéo. Aujourd'hui, moi pour vous montrer nous qui j'ai nous capable faire une crème solaire naturelle fait maison. L'été approche, ce qui signifie de dire bonjour aux journées plus longues et plus chaudes. Malheureusement, si nous pas fait attention, cela signifie de dire bienvenue à la peau brûlée pour ce soleil d'été. Été ça, moi pour aller bien protéger peau avec une crème solaire fait maison. Ou cette salle riche en ingrédients naturels qui non seulement a protégé pour un, mais la Noël tout. Il n'y a pas d'ingrédients imprononçables ou de produits chimiques ici. Apprendre que j'ai pour faire une crème solaire n'est pas difficile. En fait, il vous suffit de faire fondre les ingrédients sur votre cuisinière pour capable d'apprendre que j'ai pour faire une crème solaire maison en moins de 10 minutes. Là, moi mélanger l'huile cocoyan, cire d'abeille, beurre de karité et beurre de cacao. Une fois refroidi, je vais incorporer un reste ingrédient. Et là, moi pour ajouter les huiles essentielles qui c'est l'huile de carotte, l'huile de lavande, l'huile de myrrhe, moi pour ajouter 15 gouttes de chaque. Moi j'aime la sensation et l'odeur crème solaire ça. Il y a un pile d'ingrédients qui sont bons pour votre peau.
Si vous cherchez un remède naturel et sans produits chimiques pour vous et votre famille, je recommande vivement cette recette de crème solaire naturelle fait maison. Pour l'utiliser, appliquez une couche épaisse sur la peau avant exposition au soleil. Assurez-vous de réappliquer de la crème solaire toutes les 2 heures, plus souvent si vous êtes dans l'eau. Et voilà, c'était DIY, ça a moi qui veux partager ensemble avec nous aujourd'hui. Si toutefois tu aimes la vidéo, bah vidéo un like. Et si vous n'êtes pas abonné, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.